اهلا وسهلا مرحبا بكم نهار جديد ووصفه جديده بونجور ا توتي ا توس agréable journée. Aujourd'hui, je vais vous préparer des sfenj. C'est des beignets traditionnels marocains. Je vais vous les faire avec toutes les étapes. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour les réussir aussi chez vous. غادي ندير معكم اليوم السفنج. يا سفنج يا سفنج ديال المغرب. شحال هادي ما كليتوش توحشتو قلت اليوم غادي نتقاسو معكم. بقاو معايا. Alors, les ingrédients pour ces sfenj, je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe de levure de boulanger, une petite cuillère de sel, une petite cuillère de vinaigre blanc, indispensable le vinaigre blanc. Ou bien 400 g de farine blanche. On a des juges qui sont hadou, qui sont des lanbal et qui sont 100 cl. C'est-à-dire, on dit 200 cl d'eau normale et 400 g de farine. Mettez 100 g de ma et 400 g de farine. Après avoir mélangé la levure, le vinaigre, le sel avec de l'eau, là je vais commencer à rajouter la farine au fur et à mesure, petit à petit. ملي نخلط هذيك الخميرة مع الخل مع الملح والماء بالضرب العادي طبيعة الحال غير بهذا بالفوي غادي نبدا نزيد الفارين شوية بشوية ومن بعد غادي نحيد هذا الفوي وغادي نخدم بيديا وشوفوا معايا الطريقة باش كنخدموا هذا السفنج ديالنا باش يجينا منفخ وفي دوك البواقات. Regardez avec moi la façon avec laquelle je prépare ces sfenj, ce beignet marocain traditionnel. Je vais enlever le fouet là bientôt et je vais travailler à l'aide de ma main. Regardez bien le staff, je vous laisse avec la vidéo. A tout de suite. هذه هي طريقه ديال السفنج اللي كنضربوها هكا كنهزو كنخلطو باش يدخل لنا الهواء مزيان لهذيك العجينه. هذا هو اللي كيساعدو باش يدير لنا هذوك البواقات في الداخل. Et là, c'est bon, je vais couper, je vais laisser reposer
environ 30 minutes selon votre température. Selon la température chez vous, pardon. D'abord, on va laisser 30 دقيقه غادي نغطي ونخلي 30 دقيقه حتى يضاعف الحجم ديالو jusqu'à ce qu'il double de volume. On se voit tout à l'heure directement à la cuisson. À tout de suite. انا راه بديت كنصور هاد اللقطه مشى ليا المقطع فاش بديت كنزيد هاد الثلاث البنيات مي ماشي مشكل بقاو معايا في لا فيديو كلشي واضح بالديتاي بون لا جو افوار بيزوان كو دو لو غنحتاج غير الماء جي فورمي اون بيتيت بول دو فات دو مينا اي جو فير ان بيتي كرو او ميديو هانتوما الطريقه هادي كنحضرها في الكاسروس و كنجبد جو كومونس ا تيري اي جو بوز دون لا بوال و يا un petit peu de huile d'abord c'est très obligatoire cette étape car on va faire cette marche là dit hanta la dia li katsaad had el bini bach ytnfakh d'accord et voilà et je vais continuer comme ça une fois je vois qu'il y a pas mal de boules sur mes beignets mes sphènes je vais les prendre et je vais les mettre directement dans la poêle pour qu'ils continuent pour qu'ils finissent la cuisson voilà. وهانتوما كتشوفوا الشكل ديال السفنجات ديالي هما صراحه تقولوا ديال شريتهم على برا
هذا هو الدور ديال ديك المقيله، فاش كندير شويه ديال الزيت سي فري هكا كيخرج بحال ما هكا وخاوي من الوسط. اي فوالا مي بينيه مي سفنج فوالا سي فاسيل، سوفي جوست لي ميم ايتاب اي فو زالي اوبتونير لي ميم ريزولتا. فرانشمون ريوسي، ريان ا دير. Écroustillant, moelleux, tout ce que vous voulez, franchement, rien à dire. Top. Et voilà mes sphinges. Hada huwa sphinj diali, dial dar, ra'ih khfif. Comme vous voyez, j'en ai obtenu pas mal, une grosse quantité quand même. Avec 4 verres de farine, on obtient tous cette quantité de sphinj, de vinaigre, comme vous voulez. J'en ai fait la moitié avec le sucre pour les enfants et la moitié nature. Mais tous les deux, ils sont magnifiques. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai une grimmel. Car ma chère, et j'ai une grimmel d'achel. Vous pouvez voir tout ce qui est dans la vidéo. Comme vous voyez, c'est vide, c'est aéré, c'est léger. Franchement, top. Franchement, c'est réussi. J'espère que vous allez les tester chez vous. N'oubliez pas de partager ma vidéo, liker, un petit commentaire. Maintenant, ça vous partage la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Inch'Allah. Et la liqa, ou sa jdida, ou nahar jdid. Salam alaikum.